Donc c'est un repère stratigraphique, c'est un repère dans le temps. On en sait assez peu sur les hybridations entre ces espèces, parce que jusqu'à présent nous n'avons que le patrimoine génétique des Néandertaliens, des Denisoviens et de l'homme moderne. On trouve des restes humains qui sont associés à ces faunes. On va essayer de comprendre comment se sont adaptés ces hommes anciens, donc Homo sapiens, Denisoviens, à ces changements d'écosystème.